ILO convention is very important for us in India, because in India violence against women in the workplace is increasing, and for national domestic workers movement also it is very significant, because the domestic workers are vulnerable to abuse and harassment, and since they are working in the behind the closed door, there the crime against domestic worker is not reported much out. So after this convention, since the government of India is in favor of convention, it will help us to lobby with the government to pass legislation. Il y a plusieurs types de violence. Il y a la violence sexuelle, il y a la violence physique, la violence morale, la violence psychologique et aussi la violence commerciale. Nous, en tant que syndicat, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déjà plusieurs types de violences. Les femmes viennent chez nous pour nous dire ce qu'elles subissent sur le lieu de travail, le harcèlement. Le harcèlement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les apporter notre appui. On leur dit, il faut briser le silence. Dès que tu es harcelé par ton supérieur, parce que il faut le reconnaître, on a de sérieux problèmes. Le harcèlement est une forme de violence grave qui humilie la femme. Alors la femme, chez nous, c'est un tabou. Il ne faut pas dire ce qui se passe, sinon toi, la femme, tu perds un peu de ton honneur. Alors que ce n'est pas ça. Il faut briser le silence pour vraiment combattre la violence. Donc on leur dit briser le silence. C'est pour cela que c'est la joie pour nous que cette convention-là soit prise, qu'on élabore cette convention pour punir les fauteurs de violence et de harcèlement. Las mujeres en el mundo necesitamos de un instrumento jurídico que luche contra la violencia y el acoso de género en el mundo. Necesitamos un convenio vinculante que obligue a los estados a trabajar en esta línea. Necesitamos un instrumento que obligue a los empresarios, obligue a los mismos trabajadores al respeto y a lograr una vida sin violencia contra el acoso laboral y de género en el trabajo. El trabajo entendido como el mundo laboral formal, no formal, como otras formas de organización del trabajo, la comunidad y nuestras casas también. Somos un tercio de la población trabajadora que sufrimos cotidianamente este acoso y violencia de género.